Bonjour tout le monde, comment nous y? C'est lui qui est excellent. Bien, je dis à la, nous venons porter pour vous comment vous êtes capable de réaliser formulaire d'inscription, ça, formulaire d'enregistrement, ça. Vous regardez là, ça que nous relais login. Ok, lui-même, les statiques, pas oublier du côté HTML. C'est statique, là que nous besoin faire dynamique. N'a bien pour nous entrer l'autre langage avec. OK, par exemple PHP, nous t'es capable prendre PHP. Nous pas rentrer dans détail qui trop avancé en rester dans cadre HTML CSS là et puis l'autre bagaille à venir à l'avenir. OK. Ou même qui poko abonné avec channel là n'a pas de ou va abonner pour nous partager vidéo à commenter li et puis like li ça aide nous avancer et c'est un moyen qu'a montrer YouTube que vidéo nous yo gagne importance. OK, si n'a regardé en l'air là n'a point ça c'est parti login là côté qui écrit login form. OK, qui change couleur temps en temps les moins cliquer qui voit moi sur formulaire côté m'a gain pour m'enregistrer nom complet email ouais nom d'utilisateur et puis mot de passe moi si n'a regardé là n'a comment animation en fait. Eh bien, n'a prend un petit pause, n'a retourner. OK. Nous venons là. Nous allons commencer à taper link code. Ven là, nous allons créer un nouveau fichier. OK. N'a pas le nom inscription.html. C'est là dans nous allons gagner pour nous mettre données dans enregistrement non yo. Voilà, la vigne avec structure page HTML là ça nous tout connaît déjà et nous parle de yo sou, même sous pas qu'on est yo capable retourner dans vidéo avant yo. OK, comme title nous relé li formulaire d'inscription. OK, fait lien avec CSS là, ça c'est pour nous capable faire lien avec page CSS non l'incrèle style sheet type text slash CSS href et puis non page CSS non qui était style.css. voilà, nous créons div là n'a pas lion classe n'après l'île forme. OK, après ça en dans forme nan n'a gagné yon lot div on capable ba li yon classe comme on da rele la annuel form data. OK, là moi gagne en balise spend côté que moi pas le mettre
inscription. Ça que nous t'ai qui t'ai écrit en l'air comme titre là. N'a pas li en classe tout. OK, n'a pas li en classe. N'a brûlé li. Voilà. Inscription texte. Qui c'est texte inscription. Nous capable baille non nous voulez pas oublier. Nous capable choisir non nous voulez. C'est pas même ça mettez à nous obligé mettez. Pour classe là, moi t'ai parlé déjà. Nous capable baille non nous voulez. Il suffit que les n'a brûlé le HTML et dans CSS là pardon. Nous songe non nous te bail là qui n'a pas appliqué propriété à soli. OK. Nous pral gagner label, nous gagner balise form, c'est pour nous créer formulaire. Tout donné nous pral gagner côté nous pral saisir qui fait partie des formulaires là, eh bien, li pral trouver entre balise form. Nous gagner là label là qui permet nous appliquer un libellé, nous te remonter gagner une image. Eh bien, nous tout mettre image là. Et puis non complet balise image là en dedans label là qui peut apparaître à gauche texte non complet hein. Pour nous insérer image nous connaissons déjà en regarder là n'a regarder petite image qui à côté non complet moins gagné en l'air là. OK, mes formulaires là mes travail nous besoin faire voilà. Nous allons aller dans le folder image. Nous allons copier l'image. Nous allons mettre dans le folder image moyen. Ça c'est image. Ça y est là. Et bien, nous allons aller dans folder formation HTML CSS moi côté moi gain folder image là et puis m'a coller image yo. OK, voilà, ça c'est image yo moi mettre là après image logo email là logo mot de passe là user etc. OK, là moi fin mettre image yo. Et bien pour mes séries images là qu'on a, moi t'ai gagné une image qui était le user. Et bien c'est non folder et puis slash non image là point extension image là. OK, et puis espace de saisie hein, chaque côté nous va taper non complet hein, c'est un input. Nous mettez input type là c'est texte et puis texte qui peut aller écrit en dedans. Nous mettons un placeholder là que nous cliquons sur lui, nous commençons à écrire qui disparaît. Et bien, c'est à travers des placeholders qui permettent moins faire ça. OK. Pour aller plus rapide, n'a seulement fait copier-coller. Et une façon pour nous économiser temps. Ou même qui pourquoi habitué à code yo ou capable écrire yo prend sans taper yo en façon pour capable bien connaître. OK, nous te gagne après nos complexité email. Et bien nous mettez email et puis image nous enterrer les mail, nous mettez mail.png là n'a changé, n'a mettez un exemple email dans place holder là qui mon apparaît la tour qui format pour l'entrée email lien. OK, pour type là après tirer type là nous mettez des types email au lieu des types texte. OK, là encore après ça nous te gagne nom d'utilisateur nous mettez li et puis n'a toujours quitter même
user en pour lui, même image user en après, moi pas changer. Et puis comme nom d'utilisateur, il y a un exemple, moi mettez Lukito. Moi t'es capable mettre exemple ou bien me déga qui ton message, rentrer les noms d'utilisateur ou bien peu importe. Ça que nous voulons mettre à nous capables mettre, ça va dépendre du coup nous. Ok, comme exemple un mot de passe, moi viens là mettre un exemple mot de passe ou moi on capable mettre mot de passe ou voulez, ou bien on t'es capable mettre un message qui t'a dit entre votre mot de passe. Ça va dépendre de vous-même. Ça yo optionnel. Ok? Et puis, on a seulement changé image pour mot de passe là. Et puis là, c'est bouton valider à bouton inscription à nous va le faire là. OK. Petit plan les supposé submit pour que moi gagne bouton à moi te dire petit plan supposé submit. Et puis texte qui va paraître sur bouton à moi mettre là dedans value et puis moi écrit texte là, qui c'est s'inscrire. Voilà. Ça c'est en bas côté qui m'a mis texte là. Si que li gen yon compte déjà, l'a seulement cliquer la rentrer sous login non pour le capable bloquer. Et bien dans cas où li pa ta gen compte, l'a capable créer. OK. Pas oublier ça, les statiques. Ça c'est seulement forme, non, les baguettes action dynamique qui fait ça. Ok, nous filmer des textes là. Et commercial NBSP point virgule ça aide nous mettre un petit espace. Ok, c'est lien cap fait un petit espace. Donc on a là, nous pouvons faire lien à travers une balise A. Nous connaissons ces balises A qui fait lien. Qui gère le lien hypertexte, et bien qu'on a là, nous mettons AHREF, ok, connexion.html. Nous pouvons gagner page connexion, mais nous tout mettons non là, le que nous allons créer page là, ça c'est non page, moi pralé, non login, là. Ok, espace login, là. C'est lui-même, moi pralé, gagner le que m'a créé page login, moi, ok, moi retire connexion, mettez login. Pour nous capables de comprendre. OK. Moi il est login.html. Pas oublier page login ça il pour coexister. C'est moi qui pour le créer. N'a bien pour nous elle puis devant les que nous pour créer page login là. Les que moi cliquer sur login là et bien la voie me sur page login créé. On a testé ça pour nous comment résultat. Voilà, mes résultats me gain là. On regarde pour nous comment HTML là paraît. OK, pas inquiéter nous pour gérer ça avec CSS. Nous connaissons CSS là, c'est lit pattern design là. On va gagner pour nous gérer ça. OK. On retire user à côté qui paraît user là c'était mot de passe. Ok, nous voyons le paraître là parce que image jeté en petit grâce goût n'a rien pour changer image là. Après si n'a regardé là n'a pas comment formulaire là il paraît. Ok,
Nous entrons dans CSS là, nous allons commencer à appliquer propriété CSS. Nous mettons star et puis box sizing. Nous mettons border box. Ok, nous allons expliquer nous qui rôle box sizing. On aller là, on garde ensemble pour nous. Nous dit box sizing, c'est lui-même qui définit façon ou à calculer hauteur et puis largeur totale d'un élément. OK, n'a pas moins sélectionner l'enlè à là pour nous. Nous capable faire recherche sur lui. Box sizing c'est façon que hauteur avec largeur totale d'un élément à calculer. N'a pas format bas comment que définir. Si n'a descend pi bas toujours pour nous ça que yo dit sur lui toujours. On a allé. Voilà, nota bene ça. Après là nous avons nota bene. Et bien on dit box sizing lui-même lui souvent utile pour capable définir ou bali propriété border box. OK? Et bien élément c'est pour capable pardon, définir élément ou à mettre sous page ou élément de mise en page. OK, ça va permettre ou li pral faciliter pour capable gérer grandement taille élément. OK, n'a pas là tout petit détail yo dit sous li nous même n'a fait lecture à comme ça tout nous capable aller sur Google taper et puis n'a besoin plus détails sous box sizing. Ça dit li très utile et li important, li nécessaire là que ou mettez au début comment que taille élément ou calculer à travers des propriétés box sizing là. OK, kounya là nous pour aller pour body hein, mes amis, body n'a pas moi seulement mettez body mais tout code page HTML moi là va appliquer sous toute page HTML créée avec page CSS sous toute body. OK, nous connaît body c'est lui même qui représente corps page HTML. OK, là nous balions marge de margin 0 padding 0. Nous connaît margin avec padding déjà moi t'ai expliqué nous bien. Nous te fait différence en pour ou même qui gagne là qu'une sur capable retourner dans vidéo avant pour capable voir différence qui gagne entre padding et margin. Voilà, nous bali yon taille tout élément qu'a placé sur contenu page nous corps page nous et bien nous baillons en taille de 16 pixels. Nous baillons en couleur blanc. En couleur blanc. Color white. Et puis nous baillons en couleur de fond. Background. Jazz. Et 6 et 6 et 6. OK. Kounya la nous allons attaquer classe. Forme noir nous est gagné pour nous reler nous contre déjà ces points et puis nos classes là les questions classe nous te bail ces points forme n'a balion hauteur de 490 pixels ou même on ka bail hauteur vle ça c'est hauteur pas mal ça ou même selon même on capable soit augmenter ou bien diminuer n'a balion largeur de 370 pixels qui c'est width. N'a pas une couleur de fond background RGBA. OK, RGBA nous tout connaît parce que moi expliquer le défait différence entre RGB et puis RGBA.
les qui moins gain RGB avec RGBA. OK. Sous pour quoi pour ça, pour poursuivre différence qui moins te faire. Nous intéressons à regarder pour capable comprendre les que vous avez utilisé RGB avec RGBA. Margin auto. Nabali comme tap 0 pour que nous capables centrer formule noir. Badam 0. OK, n'apre moi bali en position absolue qui permet moi éliminer fluent sous navigateur. OK. Ou même qui pas suivre différence entre position absolue avec relative ou capable garder pour gagner plus détails parce que ça aussi bagaille qui capable ba ou petit problème. C'est ça qui fait nous prend le soin pour nous faire différencier pour nous bali left 0 et puis right 0. On a regardé pour nous qui résultat nous gagne. OK. On refresh là, voilà. Mais comment li paraît d'après li centré formulaire là? OK. Et bien kounya là, ça que nous pral gen pour nous faire, nous pral arranger tout élément qui placé sur en nous bali un petit padding. OK, un petit image intérieur. N'a bali un petit padding de 20 pixels. L'autre bagage encore nous kabali, en nous bali un border radius pour nous capable arrondir bon formulaire. N'a bali un petit border radius de 5 pixels. OK. Bon d'étape. N'a bali 4 pixels ba nou wè ki an l'air. OK. Et puis n'a bali en couleur orange. N'a bali en bordure en bas, c'est bord de banane. Et puis n'a bali 4 pixels toujours à même couleur orange là. OK. Ti ba nou ki passé en les formulaire là avec ça qui passé en bas. En refresh là voilà. Ouais. En les a moi gagon ti ba orange et puis en bas moi gagon bas orange. C'est à travers des bord de table pour en les et puis bord de banane pour en bas. Si que moi t'a fait dans tout 4 côté, on tap seulement mettre border immédiatement moi mettre border tap prendre tous les 4 faces. OK, comme c'est en l'air avec en bas moi besoin mettre moi spécifier le côté qui m'a mettre là à travers des border tap et puis border banane. Box shadow. OK, n'a bali un petit box shadow. On garde pour nous. Voilà, n'a poiti effet don blanc qui paraît en bas formulaire là à travers des box shadow là. OK. Qui l'autre bagarre encore capable bali. Qui l'autre bagarre encore. OK. Si pas gen l'autre bagaille n'a avancé en a regarder pour nous. OK, mais OK pour bouton là n'a regarder pour nous partie inscription là en l'air là n'a pour gens partie inscription là et bien n'a pas noir là en regarder pour nous comment li et bien ça que nous va faire nous va reler classe inscription nous gens qui noté reler le html là là gens qui noté bali non html là noté reler inscription texte qu'on a là nous va gagner là dans CSS1
pour nous capable appliquer propriété au sol. OK, nous télèl inscription tiret texte. Ou capable copier li pour éviter au faire erreur ou à réécrire dans CSS là parce que sous mal écrit, sous pas écrit même Jean Lena HTML là pas monter. Et bien des préférences nous copier. OK, moi mettez point form et puis espace point inscription tiret texte. Ça veut dire libre aller en dedans div texte moyen côté moi te gagne classe form et pas div texte pardon et div moi te rele form là ça me débat classe form là et bien la bien dans l'autre classe qui rele inscription tiret texte la va appliquer propriété ça sur les moment et bien n'a balion taille de 25 pixels font size margin 0 auto ça c'est pour nous capable centrer on garder là pour nous recommander OK n'a pas comment inscription a immédiatement texte là augmenté OK texte moyen li augmenté n'a bali un display table qui permet moi centrer margin 0 auto et puis display table voilà n'a garder là n'a pas moi centrer inscription et puis l'ité gagne un espace en l'air un espace en bas à travers des anti padding en marge intérieure OK nous balions marge intérieure de 10 pixels OK la prend ni à gauche ni à droite ni en haut ni en bas font way bold qui permet nous mettre texte là en gras OK voilà n'a regardé pour nous espace li fait avec élément qui en bas là. OK. On a là nous fini avec formule avec partie inscription. OK. Mais là OK, on a là n'a regardé pour nous comment espace en gérer entre input yo avec label yo. OK, nous supposé faire le même genre avec ça n'a regardé là. Et bien. OK, mais ça nous gain là qu'on a là, on retourne. Nous te gain inscription texte nous gain appliqué propriété sur lui, on retourne là n'a mettre password pour image on te gain comme password et puis user on écrit user OK ça c'est logo qui apparaît à côté champ libellé nous information qui n'a champ libellé OK par exemple nom d'utilisateur mettez user là user ça nous gagne li paraît trop gros n'a nous t'es capable redimensionner mais pour aller plus rapide n'a seulement changer nous t'es gagne l'autre user là nous copier nous pour le mettre dans folder image nous OK en d'information html et css là OK n'a remplacer voilà la image là là n'a pour le changer nous gagnons l'autre user et puis nous pourrons refresh page là après comment voilà après comment le monter là OK kounya là non form data nous OK form data nous c'est là-dedans image là et ben qui ça nous capable faire nous fait form point form data espace img qui gagne image nous balise image nous balise une hauteur de 15 pixels et puis une largeur de 15 pixels nous redimensionner image nous gagne qui paraît à côté de libellé OK voilà n'après image yo, normalement yo redimensionner yo vin PPT. Moi mettre le 15 pixels ou moi capable mettre soit 20 soit 25, ça pas dépend
de Jean besoin de paraître là. OK. Kounya là, nous pral parti là pour form data label. Comment nous pral faire label yo? N'a pas li yon taille 16 pixels tout. Taille texte yo. OK. L'autre bagaille nous capable faire sur li. N'a bali en font oui bold qui permet nous mettre texte en gras bold ou bien bold pas un problème n'importe ça mettre à la fin. OK. Et puis nous pour aller là pour under form data nous te gagne input et ben tout input yo nous va l'appliquer propriété ça sous li pour moi. OK, tout input moi te gagne n'a bali yon largeur de 100% qui permet li prend tout espace moi te bay form moyen 390 pixels là. OK, la prend tout espace ça avec largeur. OK, toute largeur formulaire c'est lui même la point nous dit 100%. OK, et puis outline node les que moi passer curseur sous formulaire là pour le capable éliminer bordure par défaut nous qui gagne là-dedans font size nous toujours quitter la 16 pixels et puis nous balions couleur de fond à travers des RGBA. OK, 0,00 et puis 0.4. Ou capable mettre 0.4 comme ça tu capable mettre 0.4, il pas problème. Nous t'ai expliqué ça dans vidéo avant. La différence nous t'ai fait RGB et puis RGBA. Margin 10 pixels et puis 0. Là que moi dit 10 pixels, là prend 10 pixels en haut en bas et puis à gauche à droite. La prêter Jean le terrain. Padding 10 pixels, la prend espace là. Dans toutes 4 marches, en haut, en bas, à gauche, à droite. Et puis, n'a balion bordure. Border 1 pixel solide, nous balions bordure en blanc. Et puis, nous balions couleur qui c'est white. OK, bon. De radius pour nous capable arrondir bon on a balé un bord de radius de 9 pixels. Après ça qui l'autre bagaille encore qui l'autre bagaille on capable balé on a regardé pour nous résultat ça ba nous si gain l'autre bagaille n'a pas ajouté en refresh. Voilà. Mes formulaires là, ça a commencé à sembler à quelque chose. Là, ça a commencé intéressant. OK, les qui moi après côté qui écrit Lukito comme nom d'utilisateur depuis moi cliquer m'écrit après Lukito disparaît. OK. Voilà. Kounya la an retourne nan sujet principal lan la pou kontinye. OK, form data input et puis type égal à submit. Ça veut dire en dans form data moyen li pral nan input côté que type li égal à submit là qui veut dire bouton là pas appliquer propriété ça sous li pour moi. OK, comme ça tout nous est capable choisir by et input nous en classe nous relé classe là comme ça tout ça c'est l'autre moyen nous capable faire les qui n'a préciser pour le prendre parmi tout input nous gagne
mais sous qui input pour la appliquer pour moi. Eh ben bouton noir l'ité type submit, eh ben nous dit c'est point form data qui c'est classe là en dans qui gagne tout input yo. Eh bien on va prendre seulement grain input qui gagne type submit là pour moi. Eh bien ces boutons hein, li pral appliquer propriété ça sur li pour moi. Nous balions large de 100% tout. Nous balions couleur blanc à travers des color right et puis nous balions font size taille qui pral paraît taille écriture là. OK, côté qui marque s'inscrit là, nous balions 17 pixels. Après ça n'a pas changé couleur de fond hein, nous balions jazz 45 CB 49. OK. Et puis l'autre bagaille nous capable n'a balion t'imagine de 15 pixels n'a bali en haut en bas 15 pixels et puis à gauche à droite n'a pité même janteyan. OK, la font espace en l'air de 15 pixels en espace en bas de 15 pixels et puis nous balions une image intérieure à gauche à droite en haut en bas de 8 pixels. OK, border non, il pas bien border les mêmes ou pas pour border qui souligne nous retirer border il était gagnant nous dit border node, ça veut dire pas afficher border là. Et puis n'a arrondi bord là avec border radius de 10 pixels. Et puis n'a changé curseur à nous curseur 2 points pointé. Ça veut dire c'est lui même qui pourra le faire paraître en mode petit doigt pour nous. Nous changer curseur par défaut en l'air que moi passer curseur en sous bouton s'inscrire là. L'app mettre en forme petit doigt. OK? Voilà. On copie ça pour aller plus rapide. Kounya la, lèk nou passe curseur en sous li, gon effet n'a mandé le pour le faire pour nous. Mais comment on aller, c'est nous mettez point form data espace input type submit égal à texte 2 points over. N'a pour me coller 2 points avec crochet en mes amis. Pas jamais oublier ça. Ni over, j'en nous écrit là c'est comme ça pour nous écrire sinon li pas monter li pas appliquer propriété hein sous li pour nous. N'a pas changé. Lèk moi passer curseur en sous bouton hein, et bien moi va augmenter taille là. Taille texte là m'a retiré là 17 pixels là, m'va le passer là 18 pixels. Et puis couleur texte là, on capable toujours quitter en blanc. OK? Mais on choisit changer couleur. Moi bali en couleur jazz D1. D1, D7 et puis couleur de fond hein? M'a changé le tout. OK, m'a changé couleur de fond hein? Jazz 56 CB 8 et puis A. Voilà. N'a pas changé curseur en toujours pointeur en al garder pour nous qui ça a bail. OK, là m'a passé curseur ouais immédiatement passé curseur en a pour comment le changer. Nous t'ai qu'à mettre une petite animation Jean qui va démontrer nous dans vidéo avant yo. OK, animation all et puis 7 secondes is in. OK, on a regardé pour nous en refresh pour nous ouais voilà li kembel pour ouais c'est comme ça nous capable fait là formulaire nous en là
il commence à sembler avec quelque chose qu'on a forme data à côté lien noir hier lien les que nous mettez si mon n'a pas gain formulaire li poko et pas gain formulaire pardon s'il poko rempli formulaire là poko enregistrer les qu'elle cliquer pour le voir à l'enregistrer et ben côté balise arrière n'a bali n'a augmenté taille là nous mettez font size 16 pixels et puis nous passer là gras après ça nous baler en couleur jazz 2 à 4 bc on a regardé pour nous OK nous refresh n'a pas comment couleur en changer en bas là côté lien en avance on change couleur on mette db parce que couleur par un petit casse pâle on refresh OK mettez un plutôt au lieu de 2 en avance changer couleur mettre le bleu parce qu'il paraît un petit casse pâle n'après là comment OK cliquez ici là il paraît plus lisible on a regardé pour nous l'autre partie ne doit travailler OK voilà si n'a regardé pour nous de temps en temps les changer et puis nous gain formulaire là qui découpé nous va changer image de fond à travers des background URL nous te montrer nous comment nous capable changer image de fond déjà OK nous gain image noir qui était dans folder image là comment te relé nous te relé li OK image 7.jpg qui c'est extension image là OK background URL en allant enregistrer nous allons regarder comment l'apparaît OK n'a pas comment image m'a répété en bas formulaire là comment elle vient paraît très LED et ben qu'on a là pour que image nous en pas répété n'a mettez no repeat et puis n'a centré image là à travers des center nous passer le center et puis nous dit n'a fixer image là et ben nous mettez fixer là n'a refresh n'a voilà n'a pour côté image là li paraît en bas tout petit mais qu'on a là pour nous agrandir image là pour nous faire prendre toute page là c'est à travers propriété background size et puis nous passer le cover immédiatement passer le cover là prend toute page là OK voilà mais image noir là image de fond là nous dégaine OK on descend en bas qu'on a là l'autre travail nous gagner pour nous faire OK n'a pas changé background forme noir là en linéa gradient nous va expliquer qui ça linéa gradient est OK on allez linéa gradient lui-même c'est lui même qui permet tout créer une image OK il permet tout créer une image sous plusieurs couleurs lui même lui fournit comme valeur des types spécial image n'a pas gardé là
n'apoué linéa gradient là qui moi mettez linéa gradient les vin créer une image pour moi une image dégradée ouais ou capable créer linéa gradient soit avec une ou bien deux ou bien plusieurs couleurs ça va dépendre de ou même. OK, n'a pas gardé formule là en bas comment capable représenter linéa gradient. OK, nous va aller sur Google, nous taper linéa gradient et puis n'a pas capable lire tout bagaille tout ça ligne sur les tout comment nous va faire pour plus détails. OK, linéa gradient et puis nous pas passer le couleur moi bon, dis nous ça soit nous capable faire la une ou bien à plusieurs couleurs et bien nous va voir qui résultat ça va le ba nous. OK, nous va voir qui résultat il va le ba nous. OK, nous va le couleur ça jazz 03 A9 F4 à 0% et puis nous mettez virgule. OK. Virgule jazz 3 A 78 B7 n'a bali à 50% et puis virgule. OK. J'aime dire nous sommes capables de regarder schéma linéa gradient comment les représenter aller faire recherche sur lui pour nous capables bien plus détails. OK, après là moi gagner plusieurs couleurs. Nous sommes capables de gagner plusieurs couleurs sur une ligne droite. C'est ça. Nous sommes dit. OK. Voilà. Kounya là. Gagnez l'autre propriété. Yé ou tat. Lèke ou fin. Passe li. Filter. Yé ou tat. Li même c'est en degré. Nous allons montrer au tout comment. OK, 90 degrés là tout point, n'a pas changé. 90 degrés à nous-mêmes, nous pas quitter la 90 degrés avant tout. OK, nous mettez la 120 degrés, nous allons montrer qui ça qui yotat là. Voilà, on regarde là. Yo dit nous fonction yotat là. C'est lui même qui permet tout. Et pour capable appliquer une rotation des teintes sur une image. Résultat fonction ça lui-même c'est une valeur filtre. OK, si n'a regardé en bas nous gain n'a regardé représentation en janvier là nous gain filtre 2.0 nous gain filtre 2.90 degrés. Si n'a descend en bas n'a pas toute représentation toute explication qui gain sur lui. Nous capable aller approfondi sur les. OK, les que moi gagne yo tête là qui a moins 90 degrés ça lui correspond avec une rotation de 270 degrés. Les que moi gagne une rotation de 0 degrés lui même lui pas gagne effet. OK, les que moi gagne une rotation 90 degrés lui gagne une rotation de 90 degrés etc etc. Nous capable aller garder pour nous capable gain plus détails. OK, c'est comme ça et puis nous va regarder pour nous qui ça la baille on a regardé formulaire là. Voilà, nous en l'air gain en rose et puis en bas moi gain li en bon chocolat. On va faire kindergarten
pas qu'on coulait ou bien. Ok. N'a pas l'animation, mes amis. Le qui, de temps en temps, nous, ti coulé l'an changé, hein? C'est à travers propriété animation. Ok? Nous, animation, animate. Ça, c'est non, hein? 10 secondes, linéa. Infini, nous t'ai expliqué ça déjà, c'est lui qui permet et animation à faire de manière infinie, chaque dérivé à 100% recommencer. OK. A commercial keyframes animate. Non nous t'ai bail en l'air là dans animation. Jean que moi t'ai écrit animate là, les mettez à commercial keyframes là. Fom kapab mette animate lan menm jan. Ok? Nou te fè sa ou deja le ke nou tap montre nou koman nou kapab chanje koule teksan avèk koule de fon an CSS lan. Apre an nombre de seconde la. Nou te fè sa ou deja. Ok? Si ke mwen jan mekri animate nan animasyon an. Non mwen ba li alem vini nan a commercial keyframes nan. Moi écrit un autre bagaille et bien animation m'a pas bien fait m'a pas bien moi rien appliqué c'est même non pour remettre en bas. OK, m'étais ça animate en bas moi il animate si m'étais le lokito animation en bas m'a mettre lokito animation. OK, j'espère nous comprendre filter yo là nous expliquer déjà. OK, nous expliquer déjà. On va gagner trois bagages, on va le dire sous lui. Et puis là, on regarde. Voilà. Ouais, il change de couleur. Il change de couleur. Ouais, il change de couleur. Ok. Il change de couleur. Mais qu'on a là, on a pour là, nous avons qui divisé. On a pour comment les diviser de manière oblique. OK, eh bien là nous même nous va gagner pour nous. Ouais, nous mettez moins 50 degrés, nous va voir qui ça ça va le bail. On la regarder là bah bâton. Ouais, OK, on voit comment là il vient pareil qu'on a là. Nous t'es capable en mettre moins que 50 degrés n'a pas comment la pareil. N'a mettre le moins que 50 degrés pour nous capable ouais les que moi mettre la moins 50 degrés comment nous mettre la 30 degrés nous va voir comment séparation va le fait. On regarde là, voilà c'est nous là, mais comment séparation en fait. OK, nous retourner la 50 degrés nous va voir la tourner là même janté. OK, nous refresh, voilà. OK. Kounya la, lè ke mwen klike fòl ta vwe m sou login pandan mwen pou gen login la. Sa nou pral fè pou pi rapide, n'ap kreye page login la. OK. N'ap selman kopye sa et pi n'al kole l nan lòt fichye. Voilà, pou nou ale pi rapide. OK, et pi n'ap retire non komple a. Texte n'a pas changé. OK. Avez-vous déjà un compte? OK, on change. N'a seulement créer un nouveau compte. Pour créer un autre compte, on peut seulement cliquer, leur fait cliquer ici et ben qu'on a là au lieu de login.html les supposés voyez ou non inscription.html. L'aime sous login.html là, moi bah il y aime non page inscription. L'aime sous inscription, moi bah le nom login. OK, son échange. Il y a une portée non l'autre. Qu'on a là, m'après les pages moi login.html. Voilà, c'est qu'on a là login moi existe. Login côté moi t'ai fait lien depuis au début.
OK, ça m'a été le login.html là, c'est qu'on y a là, il existait. OK, moi créé là. Inscription.html là, t'es déjà là, n'a retiré email pour nous connecter, n'a seulement besoin mot de passe avec nom d'utilisateur. OK, après ça reste yo, n'a retiré yo. Là au lieu de inscription, nous mettez login form. OK. Après ça, n'a pas me faire un petit mélange anglais français. Bon. Nous même nous capable faire la façon que nous voulons. Login texte. OK. Au lieu de inscription texte, nous le login texte. Après ça, au lieu bouton s'inscrire, se connecter, n'a connecté, nous mettez se connecter. Voilà. Nous allons regarder pour nous comment ça va apparaître. On a les que nous cliquer. Nous allons cliquer sur OK. Là, mes formulaires d'inscription là, mais puis l'espace ça qui est en bas, pas besoin tout espace ça. Eh bien, qu'on a la qui ça nous a fait, n'a réduit l'espace là. Puisque même non nos gants les assez les mêmes qui toujours répété, et ben n'a toujours gain même quantité pixels ça nous te bail là. Qu'on a là ça que nous capable faire en regarder ça que nous capable faire n'a OK là moi mettez point form et puis login text point login text. OK, c'est même propriété on m'a appliqué sur lui. Nous songe ça déjà l'aime d'app montrer nous comment nous capable simplifier propriété au lieu mal réécrit même link code ça yo moi vi seulement venir moi mettre virgule point form et puis point login text et puis après là va appliquer même propriété moi te gain déjà solide pour moi. OK, ça aussi répétition oui parce que nous toujours à faire. OK, pour classe là au lieu nous te gain forme tout à l'heure nous relé ça forme login qu'on a là faut que nous by forme login non yon hauteur faut que nous balion large parce que hauteur formulaire inscription à gain nous estimer li trop par rapport avec login nous pas gain même quantité élément là-dedans là. OK, qu'on a là ça nous capable faire nous mettez virgule c'est même propriété on a appliqué seulement pour hauteur avec l'argent qui pas même ah ben qu'on a là pour plus simple comme gain plus bagaille qui semblait et ben m'a seulement retiré ça qui pas semblé moi mettez point form login. OK, et puis moi mettez point form n'a pas au même propriété ça seulement pour largeur pour hauteur qui pas même y a bien même largeur ou pas bien même hauteur ben n'a seulement vini nous écrit point form nous balion hauteur 490 pixels et puis n'a écrit point form login et puis n'a bali quantité hauteur n'a bali parce que c'est hauteur qui différent après ça tout reste ressemblé au lieu que mal écrit pile link code ça yo moi obligé simplifier yo mais ça qui pas semblé yo m'écrit au compte. OK, au lieu moi bali login form là 490 pixels m'a réduit en hauteur. OK, m'a réduit en hauteur m'a bali 320 pixels par exemple. On a regardé pour nous, on refresh. Voilà. On a regardé là. Comment hauteur en vine y est par rapport avec la lame qui est hauteur de 320 pixels. Et puis, dans la forme, dans côté inscription, il y a moins de hauteur de 490 pixels. Eh bien, c'est de ça qui est différent. Moi, je ne vois pas. Et puis, tout ça qui semble, moi, je quitte au même côté pour éviter moins. Répéter pile link code ça yo. OK, ça c'est façon nous capable simplifier code yo. Moi te montrer nous ça déjà. OK,
Et puis là, nous gagnons point form login. OK. Eh bien, c'est tout ça nous avons gagné pour nous montrer. Nous avons gardé là. Nous arrivons à destination. Pas oublier partager vidéo pour nous. Faire un autre monde. Et demander aux gens qui peuvent abonner. Pour abonner pour nous. Eh bien, nous sommes capables pour nous voter plus de choses pour vous dans l'autre vidéo. Ok? Nous disons tout bye bye. Nous allons retrouver nous pour l'autre vidéo. Ciao.